Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Alors durant le vlog de la semaine dernière, je vous avais teasé une petite vidéo bonus à propos d'un flan à la châtaigne. Oui, vous l'avez deviné, vous l'avez compris, c'est tout à fait ce que vous allez voir maintenant. Magali et moi qui cuisinons un flan à la châtaigne avec Thomas qui nous filme, donc qui sera derrière la caméra. Comme toujours, j'espère que la vidéo vous plaira. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et à activer la petite cloche, c'est vrai que je pense pas souvent à le dire, donc voilà, j'y ai pensé. Ça fait toujours extrêmement plaisir, merci beaucoup. Et merci aussi énormément pour les 150, avant que j'oublie, on les a atteints, ça y est, c'est bon, on est 150 sur la chaîne, merci énormément pour ça, ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Et sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous plaira, que vous allez bien rigoler, et surtout, j'espère vous donner faim. Bon visionnage à vous. Bon, toi dégage. Oh la violence. Comment elle dégage ça dans le cadre? T'as vu ça? Ah, voilà. Parce qu'il faut ces proportions là, mais il faut c'est mieux expliqué là. Quand un flan demande deux recettes. Oui. Il fait quelle taille au flan? Non, mais on va faire moins. Ah oui, là, parce que 220 grammes de sucre, 4 œufs. Non, mais c'est pas. On va faire l'autre 120 grammes de sucre et 150 grammes de farine. Mais ça, c'est encore une fois pour 8 personnes, 6-8 personnes. Donc il faut qu'on divise par 2. Ça passe pour 4 personnes. Par 2. Donc du coup, 1 litre, il faut 1 demi-litre. Et dans le demi-litre, il faut les 3 quarts d'un demi-litre. Hein? Tu me racontes là. Pour 8 personnes, il faut 1 litre. Donc du coup, si on divise par 2, il faut 1 demi-litre. Oui, ça oui. Ok. C'est quand on est sur 2 3 quarts de litre là, c'est... Parce que dans le demi-litre qu'on a, les 3 quarts, il faut qu'on les mette là-dedans, et l'autre, il faudra qu'on les délaye dans la farine. Enfin, la farine qu'on délaye dans le récipient, c'est tout. Donc du coup, les 3 quarts d'un demi-litre... Bon, à la louche, ça fait du 125 à peu près. 3 quarts. 125 pour un quart, donc tu multiplies par 3. Ouais, du 400. Ouais, parce que 0,5 divisé. 400 divisé par 4, ça fait 100. Et 100 divisé par 4, ça fait 25. Donc ça fait 125 grammes pour un quart. 375. Ouais, 375 pour 3 quarts. Ouais, désolé, hein. Pour tous ceux qui sont pas scientifiques. Je vais perdre un... Ah non, mais les 3 quarts, ça fait 375. Oui. Ouais. Mais donc un quart. Bah ça fait 125. Pourquoi tu me dis 166? T'as fait quoi comme calcul? J'ai fait 0,5 divisé par. Putain, je suis connue. T'as rien dit, 0,25. 125. Mais tu veux commencer par le lait là ou tu veux... C'est pas mieux de commencer par farine et ceux qui vont pas tâcher le. Tâchez-le. Si tu mets le lait dedans directement, tu vas accrocher, tu vas perdre du coup de la matière. Non, là il faut mettre le lait et la dose de vanille déjà. Et il faut mesurer déjà comme il est bon. Putain, c'est élégant ça. Encore plus de plastique. C'est du beurre. Eh bien. On a tellement rigolé, c'était. Mais n'hésitez pas à les casser. Bon, donc la baguette est en train de verser un demi-litre. C'est précis, c'est précis. Il faut éviter l'erreur de parallaxe. Tu voulais pas mettre d'abord les 375 pour mettre là et ensuite les 35. Et voilà, et là je me demandais ce qu'on allait choisir. La méthode a été choisie? Oui. Bon, après, à 2-3 gouttelettes près, ça va quoi. Oui. Mais de toute façon, 125, je ne le dirai pas. Parce que j'ai 100 ou 150. Bah, tu fais entre 100 et 150, tu fais au milieu. Mais c'est pour ça que je. Non, mais je crois que t'as juste pas réfléchi à en faire, c'est tout. Maintenant, il faut verser. Non, on a dit qu'on préparait d'abord. Alors, il te faut 2 œufs. Il oui, te faut non, je sais, j'ai juste pas réfléchi parce que maintenant c'est mouillé. Bah oui. C'est exactement ce que j'ai dit il y a 2 minutes. A l'aide! A l'aide! C'est Je l'ai dit il y a 2 minutes que ça allait être triplé! Mais quand, en fait, quand tu l'as dit, j'étais en train de te dire, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Mais non, mais là il faut mettre que le lait et la vaine! Ah! Là t'es plus auprès des 100 que. Oh merde! Hein. Ça va! C'est pas si mal en vrai! C'est pas si mal! C'est pas si mal! Il faut à peu près 125, en vrai on est un tout petit peu en dessous! Ça va! En sachant que le tout va aller dans... Ça va se mélanger après, donc il perd rien. Enfin, c'est toi qui nous a dit qu'il faut 3 quarts d'un côté et 1 quart de l'autre. Ouais, maman. Oh, que suis-je? Ouais, ça c'est quand
75. Merci. Bah ouais. Farine. Je t'aime. Mais ça va coller, tu veux pas rincer essuyer? C'est vraiment... Bah non, mais c'est juste, je te pose la question, tu trouves juste de gâcher de la farine. C'est vrai qu'elle est chiante. C'est pas de la farine de base que t'as pris, j'ai pas envie de t'arnaquer en fait. Non, parce que là c'est de la farine de châtaigne, hein, directement. On frotte. C'est pas la farine qu'on trouve facilement comme ça. Hein. Est-ce qu'il y a un gilet de sang si on frotte comme ça? 75, 75. À la louche, parce que c'est 65 ans, 60. Mais un côté, j'aime pas. C'est incroyable. Et pendant ce temps, je vais couper la vanille. Je vais sortir la vanille. Alors, verdict ? Ah oui, donc. Alors, ça colle sur les bords ! Bonjour. Il y a juste un truc, c'est que le verre est en plein milieu, il gâche pas grand chose, mais il est toujours en plein milieu. Merci. Dégage. Harry Potter, dégage. Bon, alors, c'est la première fois que je fais ça. Donc là, on éventre la gousse de vanille sauvagement. Sauvagement, non, je la prends délicatement. Donc je pense qu'il y a un autre mot pour ça, mais je l'ai oublié. Elle est où la fente? je vais rien dire. T'es en train de faire quoi, là? Bah, j'essaye d'ouvrir pour récupérer les grains. Attends, je crois que je trouve. Oh, putain. Non, donne, vas-y. Oh, putain, comment c'est d'ouvrir? J'ai aucun jugement. Ça va être dans le lait, c'est ça? Et tout, hein. C'est dextérité. C'est magnifique. Ouais. C'est. Du moins qu'on l'emmène pas aux urgences, tout va bien. Bah oui, mais j'ai pas réussi. Ça avait l'air super facile sur la vidéo. Et il faisait tac et paf et pouf. Il avait toutes les graines sur le couteau. Et j'ai essayé de faire comme lui, mais. C'est... Mm-hmm. Bon. Je me suis pas vexée, c'est pas vrai. Je me suis pas du tout vexée, c'est pas vrai. Donc, du coup, apporter à l'ébullition. Non, mais c'est surtout qu'elle en a foutu partout en fait. Ah, ah. C'était filmé. Merci. La 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 la. Donc maintenant, on prend la farine et ouf! Et on fouette. On tape le cul. Si tu fais ça, on va faire ça. Ouf! Au verre verseur. Oula! Doseur, ouais. Au verre doseur, ouais. Le verre verseur, ouais. Tu fais combien de cul? Oh, ouais, c'est sans l'impression. C'est sans l'impression. C'est pas sans Bon, ça sert à rien d'essayer de touiller. Ça hein. Oui, ok. Donc ça soit. C'est ce que j'avais dit. Il faudrait que vous prépariez, c'est un support pour sortir le lait du feu. Parce que au cas où, au moins, si c'est celle qui est là-bas, elle pourra poser. Ah non, on a un cordon, c'est très bien. Non, ça c'était pas un cordon. Ah. Ça va pas trop, non. Il faut que tu pas tout. J'aime pas cacher. Non mais j'aime pas cacher les yeux. Chaque fois, c'est me mouille avec des doigts. Est-ce que tu peux prendre tout le sucre, s'il te plaît, petit œuf? Bordel. Mais ils sont indisciplinés, ces œufs. Hein? Mais non, gentiment, ça commence à frémir. Petit œuf. Ça commence, mais. Bientôt. Ouais, après, ça va faire bon. Non, ça va. Bah, faut juste porter à l'ébullition. Oui. Oui. Voilà, à partir du moment où ça fait des bulles, c'est que c'est bon. Oui. Voilà, ça fait des bulles. Petit œuf, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien prendre tout le sucre? Oui, mais. Oui, ils veulent bien. Plein de marge.
Oh là là. Avec ses gousses. Non, ça sent bon. Ah oui. Ah, si c'était pas chaud bouillant, j'aurais envie d'en boire. Oh, le petit ami pour éviter pas les agrumes, les grumeaux. C'est un peu bugué. Qu'est-ce qu'il fait? Et tu veux pas enlever les morceaux de gousse dedans? Ah, tu vas enlever avec ça. Et c'est parce que je me suis entraînée en voyant la vidéo avant. Oui. C'est vrai. Merci. On a une spatule, Arthros. Hein. On a une spatule. Bon, elle est pas dorée, mais on a une spatule. Bing. C'était pas une insulte en votre spatule. Pourquoi vous me tapez avec une chaise? Je sais pas. Touille, touille. Alors. C'est chaud. Tu répètes. C'est chaud, oui. Touille, touille. Oui. Touille, touille. Oui. Touille, touille. Bon, on va y aller avec ça. Touille, touille. Bon, comme tu fais mal à laver la casserole, ça va être beaucoup trop long. Si vous êtes flemmard, il y a une deuxième casserole, comme ça après il y a deux fois plus de vaisselle. Bah, je me suis dit, je vais commencer avec la spatule et je vais finir avec le fouet, sinon ça va y avoir des gros mots. En fait, pas des gros mots là. Bah, vu comment c'est rempli, si j'essaie de fouetter avec la même énergie que toi tout à l'heure, on va dire que ton PC va se retrouver un peu. C'est-à-dire comme c'est déjà cas. Exactement. Et une fois qu'on a tout touille, il faut remettre à chauffer. Il faut remettre à chauffer sur feu doux pendant 10 minutes. Donc on met dans la casserole. Oula. D'un coup. Oui. Ah, c'est chaud. J'essaie de faire la petite danse. Quand on réussit une étape, il faut s'auto-congratuler. Oui, j'ai cherché. Ouais. Là, c'était dur. Je t'en prie. Toi, toi. Tu me prises? Enfin versé et mélangé sur la préparation sucre, œuf, rajoute. Ah, le rhum! Du rhum! J'avais oublié le rhum! Il y a du rhum! Oui, oui, non, mais il y en a, c'est vrai, il y a du centimètre. Je sais plus combien de bouteilles. Il y a deux bouteilles de rhum! Alors, s'il y a deux bouteilles, je trouve pas ton flanc! Mesdames et messieurs, la recette a légèrement changé. Il y a deux cuillères à soupe de rhum! Oui, c'est voilà, ça, c'est pas deux bouteilles! On a dit que les. Du coup, il y en a qu'une seule parce qu'on coupe pas de permanence. Ça va, des bâtards. Oh là 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 là. Alors. 10 minutes. On va pas regarder 10 minutes, ça fait combien de temps? Oh là, ça doit faire à peine une minute que t'es là-bas, donc t'inquiète. Oui, et c'est 21h04. C'est vrai qu'il faut remuer pour que ça épaississe bien. 21h04, donc 14. A few moments later. Oh bah, ça tourne. Ça tourne. J'ai pas fait tout à l'heure, ben là je l'ai eu. Tu t'es renversé, tu m'as eu ou pas? Oui, oui, je t'ai eu. Donc, j'essaie d'éviter de me scalper. C'est toi qui as craqué, c'est moi qui ai mal. J'ai même pas craqué. Si, j'ai entendu craquer. Ah non. J'ai entendu un craque aussi. Bah, c'est que c'était pas moi. Non, parce que là pour le coup, je vous assure, c'est pas moi. Je le sens quand ça craque. Je pense que c'est toi qui as craqué. Il m'a mis 31 ans, elle craque partout. C'est ça. Donc, mon genou, je peux craquer en ce moment. Il y a juste un petit truc qui a changé sur la table, c'est que Magali a préparé le bain-marie. On sait pas qui c'est Marie, mais... Mais non. Je veux pas... Il veut pas couper. Attends. Bon, on sait qui c'est Marie. Calme-toi. Ah, c'est chaud. Calme-toi. Ok, Madou, il te crame pas, s'il te plaît. Oui, mais c'était juste pour dire, je fais un truc, je te regarde pas. Je ne fais pas que te regarder. Il est tellement brillant. Comme ça, je ne vois pas ce que je fais. Exactement. En fait, ça me saoule, putain de spatule de merde. Et Maryse, pour ça. Oui, il y en a une en plus. Maryse ! Elle vient pas. Elle est très insoumise, elle aussi. C'est comme les œufs. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont leur vie propre, leur libre arbitre. Je me bats constamment. Aouh! Désolé pour vos oreilles. Bah, désolé pour le vase, le saladier. Y'a qu'une bière. Ouais, non, mais c'est naturel, je suis tombée dedans quand tu. Oui, j'ai bien mis que deux œufs, putain, je suis en train de goûter.
On mélange tout. Mais j'aurais pris le fouet pour le coup. Oui, mais moi aussi j'aurais pris le fouet, mais c'est juste que j'ai la spatule qui est déjà toute. Ah bah oui. Alors on recommence. Voilà. Ah. On relave la spatule. Encore. Voilà, on aime ça. Est-ce que tu peux prendre le rhume et la cuillère. Je te laisse. Voilà. Et La cuillère qui devait servir, qui était là-dedans, du coup, c'est ça? C'est ça. Comme ça, s'il y a trop de rhum, c'est pas moi. Donc deux cuillères à soupe. Deux non. cuillères à soupe. Une, parce qu'on une cuillère à soupe. On divise en deux. Ça mérite une deuxième quand même. C'est parce que ça a coulé à côté, hein. Vous avez pas vu ça couler à côté. Il y avait deux endroits avec du rhum. On va en mettre un peu si vous voulez, mais. Ok, d'accord. Elle m'a fait sa tête là. Ah, mais je vois pas ce que je fais. Ah, bah tu peux y aller, hein. On va pas couler. Bien, c'est bien. Voilà. Au final, il y en aura quasiment deux. Mais non. Oh, c'est une grosse. C'est pas grave, c'est bon. Petit planteur châtaigne. Alors, rhum châtaigne vanille. Et maintenant, tu finisses quand tu en as moins. Oh, c'est juste que je vois pas trop ce que je fais, mais il faut qu'on voit la cam. C'est bon, t'es bien. T'es bien. Je vois pas ce que je fais. T'es bien, vas-y. Je te guide. Ouais, mais là, je vais tout mettre dedans, en fait. Les trois autres pots, ils vont servir à rien. Bah, c'est pas grave, j'en ai mis plus exprès au cas où. Oui, stop. Hein. Bon, stop. Ouais. Comme ça, on remplit un autre, on remplit un plat. Et là, celui d'à côté. Attention. Oui, j'ai vu la goutte. On s'en veut la gogoutte. Et voilà, tu vois. Ouais, donc au final, je remplis tout, quoi. Tout seul, je pense. Oui, je l'aime. Je la soutiens moralement. Et j'en ai plein les mains. Ah bah c'est pas facile, hein. Le tien. De remplir sans voir ce que tu fais. Mais tu t'en es très bien sorti, John Padawan. Ouais. Juste avec mon guidage. Je suis une très bonne guidon. Mm-hmm. Ou un très bon guidon. Un très bon vin. Tu t'enfonces. Mais il n'y a rien sous la table. Dans l'évier. Mmh. Est-ce que tu trompes de place dans l'évier? Et donc il y en a deux. Ah, une goutte! Non, on a deux gouttes. Voilà! Et du coup, on en est à quoi? Quasiment une trentaine de minutes pour une préparation de 10 minutes? Ouais, exactement. Alors là, il s'agit de ne pas se cramer la gueule. Ah oui, non, t'es vite. Et maintenant, on enfourne. Voilà, sans manip ni rien. Hé, hey, c'est pas la secla, ça? Wesh. 40 minutes. Il faut mettre le chrono. Oui. Mais c'est pas ça, c'est expérimental. J'en ai fait un, enfin, pas à la châtaigne, mais j'ai fait un... Non, tu veux parler, t'inquiète, hein. J'ai fait un flan coco chez ma grand-mère, et ça avait super bien marché. Oui, voilà. La conversation, c'est qu'on est en train de se rendre compte que les flans vont peut-être être un mélange entre flans et gâteaux, en fait. Ce qui est pas trop l'idée de base. Alors, gâteau, non, mais par contre, ça risque d'être un flan flasque. Un flan. On va repiquer ? Ah là. On repique. Je vous remontre. Pic-pic. En pic-pic. Pic-pic ? Oh, ça fait pépelle. C'est déjà un peu mieux, quand même. C'est un peu mieux. Et l'autre, c'est un peu mieux. Mais l'autre, je crois qu'il est bon. Ah mais il va sortir, l'autre. Bah c'est possible, hein. Ah pupille. Bon, moi on va en sortir un, hein. Ah, est-ce que je suis chaud en train? Est-ce que quoi? Tu veux quoi? Je vais prendre le chou de plat, s'il te plaît. Est-ce que j'ai fait faire? Merci. Aïe, 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 c'est chaud. Bah oui, c'est chaud, tu m'étonnes. Voilà. Et on met vite. Non. C'est marrant, ouais. Le flan sans pâte et tout. Deux flans. Il a l'air pas trop mal.